Eh bien, salut à tous les gars, c'est Gandalf. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va être encore sur un stuff de chasseur. Vous inquiétez pas, les stuffs sur les autres personnages vont arriver très 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 vite. Là, qu'est-ce qu'on va présenter? On va présenter un stuff cryo sur la capuche d'assassin. Ce stuff est dévastateur, les gars, je vous le dis, est très 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 fort. Je pense clairement que c'est l'un des meilleurs possibles, tout simplement avec l'aide d'autres cryo électriques. Vous avez pu le voir sur la petite vidéo, le petit extrait que je vous ai montré avant. Et même en secteur oublié, en version légende, c'est tout aussi efficace, c'est vraiment dévastateur, c'est une balade. C'est clairement une balade, c'est super facile de jouer ce stuff. Donc, pour cet équipement, qu'est-ce qu'on va jouer? Ben, on va jouer toujours formation orageuse, ça change pas, on joue le petit super. D'ailleurs, j'ai une petite info croustillante à vous donner, ou pas, dur à passer. Ce super là, si jamais vous en jetez plusieurs sur le même boss, il faut savoir que ça ne se cumulera pas. Donc il n'y a qu'un seul super qui va compter en termes de dégâts, les autres ne compteront pas. Voilà, c'était la mauvaise nouvelle du jour. Ensuite, l'esquive, on va jouer l'esquive du parieur. La mêlée, on va jouer avec les coups combinés. Donc je rappelle les coups combinés, vous mettez une mêlée sur un mob, vous le tuez, ça vous recharge votre esquive. Ensuite vous faites une esquive. Et hop, ça vous redonne votre mêlée. De cette manière, vous allez faire mêlée, esquive, mêlée, esquive, jusqu'à ce que votre bonus coup combiné monte à x3 et que vous soyez à un maximum de dégâts de mêlée. On va mettre la grenade de l'orage. Et puis ensuite, on va mettre courant meurtrier. Donc, courant meurtrier, je le rappelle. Après une esquive, votre prochaine attaque de mêlée a une plus grande portée, inflige des secousses à la cible et crée une réplique qui fait subir des dégâts. De plus, quand vous infligez des dégâts à une cible qui subit des secousses avec votre attaque de mêlée, vous lui infligez également cécité. Donc, vous mettez une attaque de mêlée après une esquive, bam, vous créez des secousses instantanément, un petit éclair au-dessus du mob. Et si vous touchez un autre ennemi qui a été touché par vos secousses auparavant, vous allez en plus l'aveugler. État de grâce, éliminer une cible subissant des secousses vous confère amplificateur. Donc, ça va vous amplifier à chaque fois que vous éliminez une cible avec des secousses qui va bien avec le courant meurtrier. Et en plus de ça, votre esquive va vous donner un petit boost de résistance et va se régénérer plus rapidement. Voilà. Donc c'est très 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 fort. Étincelle de fréquence. Les coups de mêlée augmentent grandement votre vitesse de rechargement pendant une courte durée. Ça c'est très bien parce que vous allez tuer à la mêlée ou mettre un coup et ça va augmenter votre vitesse de rechargement de votre pompe. Pompe qui sera avec coup double. Tout comme le stuff que j'ai fait avec les poignées des mains des menteurs, ça ne change pas. Toujours le pompe coup double et la mêlée, c'est un stuff mêlée. Ensuite, on aura étincelle de résistance, donc ça augmente votre résistance quand les ennemis vous encerclent. Étincelle de décharge, les frags à l'arme cryoélectrique ont une chance de créer une piste ionique, le classique. Et étincelle de volt, les coups de grâce vous confèrent amplificateur, ça va être très 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 bien et très pratique. Quand les nouveaux fragments seront disponibles, je tiens à préciser quand même que étincelle de rétroaction, subir des dégâts de mêlée augmente brièvement vos dégâts de mêlée. Ça, il faudra le mettre absolument. Absolument. On va passer au niveau du stuff. Donc on a la capuche d'assassin. Ce sera du coup l'exo du jour. Les frags de mêlée chargés vous rendent invisible tout simplement et vous régénèrent une partie des points de vie. Les coups de grâce et les frags de cible puissante augmentent la durée d'invisibilité et la quantité de points de vie et de boucliers restaurés. C'est extrêmement puissant. Puits des ions, donc ça va augmenter les dégâts de votre prochaine attaque de mêlée quand vous allez ramasser un puits élémentaire cryo-électrique. Vous allez avoir 9 secondes à peu près pour mettre une autre attaque de mêlée qui va vous booster, qui va avoir des dégâts boostés. Manuel pour vous redonner de l'énergie de super lorsque vous faites des frags de mêlée, et s'il faut harmonieux, les frags avec des armes qui correspondent à l'élément de votre doctrine, donc des armes cryo, vont créer des orbes. Ensuite, on va être au niveau des points, j'ai mis frappe concentrée, puis attaqué à mêlée, donc le puis attaqué à mêlée qui permet de faire les puits élémentaires. Le frappe concentrée n'est absolument pas obligatoire étant donné que vous récupérez votre esquive à chaque mêlée. J'ai mis juste un truc comme ça, voilà. Puis attaqué à surcharge ici, donc quand vous allez faire un coup de grâce, ça va créer deux puits élémentaires cryo. Coup de grâce qui fonctionne bien à la fois avec votre fragment puis avec également la capuche d'assassin, donc ça va être pas mal du tout. Tac 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 tac. Et ensuite puits de ténacité et puits d'acier moissonneur, ça c'est les deux puits qui vont vous permettre tout simplement d'être plus résistant. Vous faites une esquive et un frag juste après, ça crée un puits abyssal qui vous réduira de 50% les dégâts subis pendant 4-5 secondes.
Voilà, voilà pour tout ce qu'il y avait à faire pour le stuff. Au niveau des armes, évidemment, un pompe coup double. Le meilleur, c'est Ragnhild D. Il est très très pratique avec coup double et rechargement double qui se transforme en rechargement triple avec la perk améliorée. Je vous rappelle que après avoir infligé des dégâts de mêlée, vous allez recharger nettement plus vite. Donc, le malus de recharge que va vous donner le rechargement double sera quasiment inexistant. Et un petit canon tracteur pour booster nos dégâts de mêlée. PMI Celos, El Classico pour une arme cryo qui fonctionne parfaitement bien. Je vais vous laisser avec la petite démonstration que je vous montrais. Bon, du coup, vous avez vu un petit peu avant. Et la petite démonstration dans le secteur oublié. J'espère que ce build vous a plu. N'hésitez pas à venir voir ma chaîne Twitch, à vous abonner et à laisser un com si jamais ça vous plaît, vous voulez voir plus de builds sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Gandalf.